Voici la vidéo de présentation du Wiko Sync Plus, le nouveau terminal de Wiko. Alors c'est un terminal entrée de gamme qui est disponible à partir de 100€ nu, c'est-à-dire sans abonnement. Il est dans la lignée du Wiko Sync, sorti il y a quelques mois. Donc c'est un téléphone qui est plus puissant et plus léger que le Sync, d'où le Plus. Donc c'est un smartphone de forme assez classique, donc c'est pas par ça qu'il se démarque de la concurrence. Disponible en noir et en blanc. Donc il intègre une surface entièrement tactile avec un écran d'une résolution 480x320 et pour une taille de 3,5 pouces. Donc à l'avant, on a ces trois boutons effectivement tactiles, donc le bouton au centre pour le retour au menu, le bouton à droite pour le retour arrière et le bouton à gauche ici pour toutes les options évidemment qui varient en fonction des applications utilisées. En haut, ici, on distingue une caméra frontale 0,3 mégapixels. Sur le flanc gauche, il y a deux boutons, un pour baisser et un pour augmenter le volume, classique. Au dos, un appareil photo 3,2 mégapixels. Et en bas, des aérations pour laisser passer le son du haut-parleur. Rien sur cette tranche. Et sur le haut, un port jack 3,5 mm, un slot de chargement USB et le bouton d'alimentation. Donc la coque est en plastique. Donc comme on voit, il y a les doigts, les traces de doigts sont assez visibles et très rapidement, donc peut-être que sur le blanc, on les voit moins. Donc on allume le terminal. Donc c'est un terminal qui fonctionne sous Android 4.1.1 Jelly Bean, donc une première pour les Wiko. Donc l'interface est assez classique, il n'y a pas forcément de surcouche Wiko, hein. Wiko a laissé telle qu'elle. Donc c'est assez fluide. Il n'y a pas de souci, donc des fois ça va être un petit peu lent au niveau du démarrage de certaines applications. Il faut dire que le processeur n'est pas... on ne peut pas comparer par exemple à un Galaxy S4, donc c'est un processeur double cœur cadencé à 1 GHz couplé à 512 mégaoctets de mémoire vive. Donc ça vous permettra de faire tourner toutes les applications peu gourmandes, mais toutes les applications gourmandes, les gros jeux, ne comptez pas là-dessus. Hein. Donc niveau d'application, c'est classique d'Android, donc toutes les extensions Google, donc le navigateur, Google+, Map, navigation, la musique, tout est très classique dans l'univers de Google. Donc on notera quand même la présence de Facebook dès le début, des réseaux sociaux aussi comme Google+, mais pas Twitter. Au niveau de la musique, deux applications, donc l'application de base donc du téléphone où on peut classer, on peut faire des playlists classées par titre, album ou artiste, et l'application Android qui s'appelle Play Music où on peut pareil écouter nos musiques mais aussi en télécharger de nouvelles via le Play Store par ici. Le Play Store qui permet également de télécharger les applications, des films, des jeux et même des livres à lire sur le téléphone. Avec la taille de l'écran et la résolution, c'est pas l'idéal. Au niveau des autres applications, on note la présence donc effectivement de maps et de la navigation. Alors le service de géolocalisation des fois est un petit peu long. Et au niveau du zoom, voilà, donc là on voit le problème. Même en y allant doucement, on se retrouve à Abbeville. Voilà, donc c'est un des soucis au niveau du multitouch qui fonctionne pas forcément extrêmement bien. Pour Map, qui est très sensible malgré le fait qu'on ait effectivement baissé la sensibilité. Sinon, le tactile à un doigt n'a absolument aucun souci, il fonctionne très bien, il est très réactif. L'appareil photo, donc on a dit, c'est un appareil photo 3,2 mégapixels qui fournit des résultats vraiment limités, surtout en intérieur et en basse luminosité où c'est vraiment médiocre. Hein. On va faire un petit test photo. Hop, je prends. Hop. Donc là c'est le mode panorama et le mode photo. Hop. Voilà. Donc voilà, donc on peut voir la photo, donc on voit pas exactement, mais c'est vraiment pas extraordinaire. En extérieur, les luminosités sont un petit peu défaillantes, la mise au point automatique a du mal à se faire. C'est vraiment pas pour l'appareil photo qu'on achètera le Wiko Sync Plus. Donc une utilisation au niveau de sa batterie aussi, l'autonomie un petit peu limitée. Compter environ 5 heures d'utilisation intensive continue avant de le décharger, ce qui est
un petit peu limité. Néanmoins, un autre point fort du Wiko SIM Plus, c'est qu'on il peut intégrer jusqu'à deux cartes SIM simultanément. Donc, ce qui est utile si vous voulez séparer la vie professionnelle de la vie privée, ou pour d'autres raisons, avoir besoin de deux cartes SIM, c'est très sympathique. Au niveau de la mémoire, il embarque 4 Go de mémoire interne, mais est extensible par un slot micro USB qui est côté des cartes SIM. En fait, on enlève la coque, qui peut être extensible jusqu'à 32 Go. Donc, c'est vraiment sympathique. Donc, on voit, c'est un téléphone vraiment, en somme, assez classique, hein, qui coûte 100€. Donc, il conviendra aux néophytes et à ceux qui ne veulent pas dépenser trop d'argent dans un téléphone. Mais au niveau du rapport qualité-prix, c'est vraiment excellent. Pour 100€, vous retrouvez un téléphone complet, qui fonctionne bien, qui n'a pas de gros problèmes de latence, de connexion. Donc, à conseiller. Le Wiko SIM Plus est un très bon produit.